je m'appelle Patrick Segrin, je suis président directeur général d'une entreprise spécialisée dans les négoces de matériaux, tout faire sous l'ancienne tout faire matériaux à La Bruyère. On réalise 2,5 millions de chiffres d'affaires avec 11 collaborateurs. L'entreprise a été créée en 1976 par mon père et était à l'époque spécialisée dans le transport public de marchandises. Moi, je suis arrivé dans les années 90 et j'ai développé la branche des négoces de matériaux. En 1999, on a été inondé, on a été obligé de nous déplacer. On est venu s'installer ici sur ce site en 2005. L'activité croissante du négoce matériaux m'a obligé à faire des agrandissements de bâtiments. Et c'est en 2015 donc, que j'ai agrandi mon bâtiment et qu'à ce moment-là, j'ai fait appel à l'entreprise Sierra. Donc, j'avais le toit de 700 mètres carrés à équiper de panneaux photovoltaïques. J'avais envie d'utiliser ce toit-là pour créer ma propre électricité et devenir autonome, sachant que dans les prochaines décennies, l'électricité va augmenter. Et puis en plus, il y avait le côté où acteur du bâtiment et proche de la réglementation thermique, je voulais participer à cette idée d'être des auto-consommateurs d'électricité. J'ai choisi Sierra parce que c'est une entreprise locale et qui avait déjà fait pas mal de chantiers que je connaissais et il y avait une bonne renommée. Sierra m'a accompagné tout au long du projet. Au départ, à la création, ils m'ont aidé à dimensionner toutes les contraintes de charge nécessaires à la réalisation de la toiture. Ils m'ont également suivi et aidé dans la dimension des panneaux photovoltaïques par rapport à la production dont j'avais besoin. Mon objectif était de pouvoir produire ultérieurement la totalité de mon électricité. Ils m'ont accompagné également dans toutes les relations avec les différents corps de métier. Et puis surtout, ils m'ont accompagné à la fin avec toute la partie administrative avec EDF où ils ont géré la globalité de toutes les contraintes que demande ce genre de mise en place. Donc, j'ai été très agréablement surpris par tous les intervenants tout au long du projet, tant au niveau de la mise en place des panneaux photovoltaïques, au niveau de la mise en place des onduleurs, des réglages des onduleurs. Tout un tas de personnes sont intervenues, toutes ont un niveau de compétence très élevé et d'une disponibilité, vraiment d'une très grande disponibilité pour tous. Et en plus, j'ai été séduit par leur application web qui permet de suivre toute la consommation en instantané des panneaux photovoltaïques avec tout l'historique sur plusieurs années. Le site a été d'ailleurs récemment refondu et qui est beaucoup plus convivial, très agréable à suivre. A été rajoutée aussi la partie autoconsommation. Et c'est vrai que cette partie-là m'a fait choisir Sierra aussi, a été importante dans mon choix. Les objectifs ont été plus qu'atteints parce qu'on était parti sur une étude et on est arrivé au final avec 5 ou 6% de plus en termes de production. Donc j'ai été en plus surpris et agréablement surpris par rapport à la qualité de la production. Expertise, parce que tout au long de la réalisation du projet, j'ai eu affaire à des personnes très compétentes. Proximité. Beaucoup de personnes qui sont intervenues sur le chantier étaient parfois des amis à moi ou des connaissances, ce qui permettait d'améliorer les relations. Et réactivité, parce que malgré l'incendie qu'ils ont subi au mois de septembre, le chantier a pu être terminé en temps et en heure.